Le catholicisme n'a pas été créé par le Seigneur Jésus, ni par Pierre. Voici son origine diabolique. Alors, parlons un peu de l'Église catholique, parce qu'il y a 1,3 milliard de personnes qui se disent catholiques. Il faut savoir que le catholicisme, ce n'est pas Jésus qui l'a créé, ce n'est pas Saint-Pierre non plus, il arrive seulement qu'au 4e siècle. C'est un dictateur romain qui s'appelait Constantin le Grand. Contrairement aux autres empereurs romains qui les mettaient à mort, lui a dit « je vais faire la paix avec eux, avec eux, les chrétiens, avec toutes les sectes qu'il y avait ». Et c'est pour ça qu'on l'a appelé « catholique », qui veut dire « universel ». D'accord? Et puis, il a cessé de faire de martyriser les chrétiens. Et alors, l'Église catholique arrivera plus tard, puis elle grandira, et aujourd'hui, elle est arrivée à une décrépitude, on pourrait dire à de la corruption totale. Le Vatican a une banque qui a causé beaucoup de morts. Et puis, en tout cas, il faut savoir que le catholicisme, ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui l'a créé, ce n'est pas Saint-Pierre non plus. C'est un dictateur romain qui s'appelait Constantin le Grand. Beaucoup de gens savent que le catholicisme romain est la plus grande religion du monde, mais nombreux sont ceux qui ignorent la véritable origine de celle-ci, et comment elle a pu s'imposer et dominer le monde jusqu'à nos jours. Si vous êtes catholique et que vous croyez sincèrement en l'Église catholique, alors nous vous invitons à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, et surtout à faire vos propres recherches, car beaucoup s'égarent par manque de connaissances. Osée chapitre 4, verset 6. L'Église catholique prétend que ses origines remontent à la mort, à la résurrection et à l'ascension de Jésus-Christ autour de 30 après Jésus-Christ, et se considère elle-même comme l'Église pour laquelle Jésus-Christ est mort, fondée et établie par les apôtres. Est-ce vrai? Nullement. Une lecture superficielle du Nouveau Testament suffit à constater que l'Église catholique ne tire pas ses origines des enseignements de Jésus ou de ses apôtres. Le Nouveau Testament ne fait aucune mention de la papauté, de la vénération ou adoration de Marie, de son Immaculée Conception, de sa virginité perpétuelle, de son Assomption ou de son statut de compagnie rédemptrice et médiatrice, des requêtes au sein dans le ciel afin qu'il prie pour nous, de la succession apostolique, des sacrements de l'Église, du baptême des enfants, de la confession des péchés à un prêtre, du purgatoire, des indulgences, ou de l'égale autorité de la tradition de l'Église et des Écritures. Quelle est donc la véritable origine de l'Église catholique, s'il ne s'agit pas des enseignements de Jésus et de ses apôtres contenus dans le Nouveau Testament? Au cours des 280 premières années de l'histoire de l'Église, le christianisme était interdit par l'Empire romain et les chrétiens étaient terriblement persécutés. Cela a changé après la conversion de l'empereur romain Constantin, qui a imposé la tolérance par l'édit de Milan en 313 après Jésus-Christ, autorisant ainsi la foi chrétienne. Plus tard, en 325 après Jésus-Christ, Constantin a convoqué le concile de Nicée afin d'unifier le christianisme, qu'il percevait comme une religion capable d'unir l'Empire romain, qui commençait alors à se fragmenter et à se diviser. Même si ces développements semblent favorables à l'Église chrétienne, les résultats ont été tout sauf positifs. Tout comme Constantin a refusé d'embrasser pleinement la foi chrétienne, mais a conservé beaucoup de croyances et pratiques païennes, de même l'Église chrétienne qu'il a promue était un mélange de christianisme authentique et de paganisme romain. Conscient que l'Empire romain étant trop vaste, étendu et divers pour que tous acceptent de renoncer à leurs croyances religieuses en faveur du christianisme, Constantin a donc autorisé, et même encouragé, la christianisation de croyances païennes. Des croyances totalement païennes et anti-bibliques se sont vues attribuer de nouvelles identités chrétiennes. Voici quelques exemples clairs. Le culte d'Isis,
une déesse mère égyptienne, a été absorbée dans le christianisme par la substitution de la Vierge Marie à Isis. Plusieurs titres employés pour Isis, comme celui de reine du ciel, mère de Dieu et Totoko, porteuse de Dieu, ont été attribués à Marie. Celle-ci a commencé à jouer un très grand rôle dans la foi chrétienne, bien au-delà de celui que la Bible lui attribue, afin d'attirer les adorateurs d'Isis vers une religion qui ne les aurait autrement pas intéressés. Plusieurs temples d'Isis ont même été convertis en temples dédiés à Marie. Les premiers signes clairs de mariologie catholique se trouvent dans les écrits d'Origène, qui a vécu à Alexandrie en Égypte, fief du culte d'Isis. Le mithraïsme était une religion pratiquée dans l'Empire romain du 1er au 5e siècle après Jésus-Christ. Elle était très populaire chez les Romains, particulièrement les soldats, et était peut-être même pratiquée par plusieurs empereurs romains. Bien que le mithraïsme n'ait jamais eu de statut officiel dans l'Empire romain, c'était la religion officielle de fait, avant d'être remplacée par le christianisme par Constantin et ses successeurs. Une des principales caractéristiques du mithraïsme était un repas sacrificiel au cours duquel on mangeait la chair et buvait le sang d'un taureau. Mithra, le dieu du mithraïsme, était présent dans la chair et le sang du taureau, qui, une fois consommé, accordait le salut à ceux qui participaient à ce repas sacrificiel, une pratique appelée théophagie, manger son dieu. Le mithraïsme avait également sept sacrements. Les similitudes entre cette religion et le catholicisme sont trop nombreuses pour être ignorées. Les responsables d'église après Constantin ont trouvé un substitut évident au repas sacrificiel du mithraïsme dans la Sainte Cène, communion chrétienne. Déjà avant Constantin, certains chrétiens avaient déjà commencé à associer du mysticisme à la Sainte Cène en rejetant l'idée biblique d'une simple commémoration de la mort de Christ et de son sang versé, accompagné d'adoration. La romanisation de la Sainte Cène est la dernière étape de la transition vers la consommation sacrificielle de Jésus-Christ, appelée messe catholique ou Eucharistie. La plupart des empereurs et citoyens romains étaient énothéistes, c'est-à-dire qu'ils croyaient en l'existence de nombreux dieux, mais en adoraient un en particulier ou en considéraient un comme supérieur aux autres. Par exemple, le dieu romain Jupiter était le dieu suprême du panthéon romain. Les marins romains étaient souvent adorateurs de Neptune, le dieu des océans. Quand l'Église catholique a absorbé le paganisme romain, elle a tout simplement remplacé le panthéon de Dieu par les saints. Tout comme le panthéon des dieux romains comptait un dieu de l'amour, un dieu de la paix, un dieu de la guerre, un dieu de la force, un dieu de la sagesse, etc., l'Église catholique aussi a un saint en charge de chacun de ces éléments et de bien d'autres. Tout comme beaucoup de villes romaines avaient leur dieu, l'Église catholique a attribué des saints patrons aux villes. La suprématie de l'évêque de Rome, la papauté, a été établie avec le soutien des empereurs romains. La ville de Rome, siège du gouvernement de l'Empire romain et ville de résidence des empereurs, dominait tous les domaines de la vie. Constantin et ses successeurs soutenaient l'évêque de Rome en tant que chef suprême de l'Église, parce qu'il était évidemment préférable pour l'unité de l'Empire romain que le gouvernement et la religion d'État soient centralisés. Même si la plupart des autres évêques et chrétiens s'opposaient à cette idée, l'évêque de Rome a fini par s'imposer grâce au pouvoir et à l'influence des empereurs. Après la chute de l'Empire romain, les papes ont récupéré le titre qui appartenait auparavant aux empereurs. Pontifex Maximus. On pourrait multiplier les exemples, mais ces quatre cas sont suffisants pour montrer la véritable origine de l'Église catholique. Celle-ci nie évidemment l'origine païenne de ses croyances et pratiquées les cache derrière des conceptions théologiques complexes et de la tradition de l'Église. Puisque tant de ses croyances et pratiques sont totalement étrangères aux Écritures, l'Église catholique est obligée de nier l'autorité et la suffisance des Écritures. L'Église catholique est née du compromis tragique entre le christianisme et les religions païennes qui l'entouraient. Au lieu d'annoncer l'Évangile et de convertir les païens, elle a christianisé les religions païennes et paganisé le christianisme.
En brouillant les différences et effaçant les distinctions, l'Église catholique s'est certes rendue attractive au peuple de l'Empire romain, au point de devenir la religion suprême du monde romain pendant plusieurs siècles, mais au prix de l'apostasie de la forme de christianisme dominante vis-à-vis du véritable évangile de Jésus-Christ, et de la véritable annonce de la parole de Dieu. De Timothée 4, versets 3 à 4 déclare: car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Catholique. Attention. Votre manque de connaissance pour la parole de l'Éternel Tout-Puissant vous conduit lentement, mais sûrement et tout droit en enfer. Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Actes chapitre 17, verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean, chapitre 8, verset 32.
que les catholiques qui ont des oreilles pour entendre entendent. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. À bientôt, dans une prochaine vidéo. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. À bientôt, dans une prochaine vidéo.